ça faisait quoi, une heure et demie que j'attendais. Il y avait un cerf qui était à 50, 80 mètres. Et puis d'un coup, j'entends du bruit dans les feuilles. Donc on était en fin d'été, c'était très sec. On entendait bien les feuilles crisser. J'ai vu une chose sauter, grimper dans un arbre. Donc sur le coup, j'ai pas du tout compris et su ce que c'était. Et c'est quand il s'est sorti des branches que j'ai vu ce bout de queue noire qui dépassait. Je voulais pas le faire partir, je voulais pas faire trop de bruit. Donc je déclenchais une photo de temps en temps, mais je tremblais, je voyais que les photos étaient floues. Et là, il est sorti le buste en avant sur cette branche. Rencontrer le lynx, un privilège. Fin 19e, il a complètement disparu des Alpes. Entre Isère et Savoie, des spécialistes de la faune sont sur ses traces. Depuis 2017, pour prouver son retour, il pose des caméras automatiques dans les forêts de Chartreuse. Sanglier, chamois. Toc, sanglier, toujours. Ah, et voilà, on est bon. Sur l'écran apparaît enfin le discret félin saisi sur le vif. Parfaitement camouflé, il se dandine comme un chat, mais il est beaucoup plus gros. La hauteur au garrot, c'est vraiment comparable à celle d'un chevreuil. Le poids, ça va aller de 15 à 20 kg. Le chevreuil, c'est sa proie favorite. Quand le lynx bondit, sa détente est foudroyante, ses canines impressionnantes. On comprend bien son mode d'attaque. Ouais. Le mec, il arrive à saisir, là, vraiment. Mmh. C'est un chasseur à l'affût, hein, le lynx, là, qui s'approche aussi tout doucement et qui va chercher à saisir vraiment sa proie à la gorge. Et on voit ça c'est vraiment marqué par des canines très puissantes, là, qui va venir soit par compression et faire un véritable étranglement. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il peut s'attaquer à des animaux qui sont aussi gros que lui, aussi puissants.